C'est super banane, et on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de mes top 10. Donc c'est le dernier épisode avant de se le refaire. Donc oui, j'ai pris du retard sur ce jeu-là parce que tout simplement, j'avais plus de micro, parce que le premier je m'étais assis dessus. Donc j'ai changé de micro, je sais pas si la qualité du son sera meilleure. C'est un turtle beach maintenant. Mais oui, je me suis assis dessus et il est cassé. Donc Bref, cette semaine c'était, enfin cette semaine non, cet épisode, c'était un top 10 couteau, donc j'ai eu pas mal de clips, entre autres la SK et j'ai eu Yugloulou, un ami que je connais. Enfin bref, donc voilà, j'ai rien d'autre à dire tout simplement. Voilà, je lance, c'est parti. Donc à la 10ème position, on retrouve le joueur Monsieur Zab31 qui commence en douceur en faisant une petite quad feed, en faisant deux tomahawks et deux couteaux après. Donc voilà, bien joué à toi, tout simple, mais bien joué. 9ème place, le joueur en place de Sponge. En fait, c'est un de ses amis. Il fait un funnel bang shot sur la map carrière sur BO2. Sans spot de bombe, c'est simple à rentrer, mais c'est toujours joli. Bien joué à toi. Ensuite, nous allons continuer à la 8ème position avec le joueur BlueTom37 qui fait un clip que j'ai toujours voulu faire sur depuis Modern 3. C'est un couteau à crosse en killcam en infecté. Donc franchement, bien joué à toi mec. Depuis 3 ans j'essaie de le faire, jamais réussi. Donc voilà, bien joué à toi BlueTom37. Voilà, donc à la 7ème place nous avons le joueur Aqualine. Il fait un tomahawk vraiment. Franchement, moi je me suis dit, oh, le clip il est pas très beau, il n'y a pas de cam, il n'y a rien. Mais regardez juste le temps que le tomahawk met à arriver. J'ai mis un petit chronomètre en bas. Regardez juste le temps qu'il met le tomahawk. Il met 10 secondes 270 à arriver. Je comprends pas. Je sais pas si son l'ennemi c'était en fait un ami ou quelque chose comme ça. Mais moi j'ai pensé que le mec il est venu là, il a vu le premier tomahawk, il a fait le malin, il s'est dit, ah, t'as raté ton accross. Puis il a voulu faire, je sais pas, moi mumuse avec ou j'en sais rien quoi. Et pour finir, il se l'est pris le deuxième tomahawk. Mais je pense qu'il était un peu. On va appeler ça booster ou trafiquer. Enfin bref, bien joué à toi. 6ème place, le joueur BFK Usopp 721 qui nous fait un bank shot suivi de 3 petits kills pour la quad feed, mais malheureusement pas en screen. Mais bien joué à toi, c'est sympa avec le bank shot au début, bien joué, propre. 5ème place, on retrouve. Purée, ma langue, elle sent pour aujourd'hui. On retrouve le joueur ZixKey14 qui nous fait un kill, voilà. Il fait un kill à l'échelle en infecté, suivi après il monte, il fait 1, 2 et le troisième il passe pas. Il dit c'est pas grave, on réessaye, on court d'un coup, il n'y a plus personne qui surveille, il monte et il fait un véritable massacre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kills, 7 feed non broke, tout simplement. Une grosse boucherie, bien joué à toi. Quatrième place, TST tire Trirox qui nous fait 1, 2, 3, 4, mais il est broke et il continue 5, 6. Pour la 4S, bien joué à toi. Troisième place, on retrouve le joueur Yugloulou, comme je vous ai dit avant, qui nous fait, c'était le premier jour des sorties des maps, qui nous fait une jolie 5 feed OS, donc 1, 2, 3, 4, il rate 5, et voilà la 5S, bien joué à toi. Il aurait pu continuer, mais malheureusement, il meurt. Il est content, bien joué à toi Yugloulou. Deuxième place, on retrouve le joueur SK Luma, qui fait un bank shot, franchement, il est très beau, très propre, bien joué, franchement. Rien d'autre à dire que juste waouh. À la première place, donc on retrouve le joueur Escadrace qui nous fait en premier. Il fait deux tomahawks totalement random, bank shot. Voilà tout ce que vous voulez, franchement. Deux tomahawks, bank shot, random across. Bien joué à toi. Et à la fin de la game, ils se font dominer, mais c'est pas grave. Rien n'empêche de faire la quad feed, mais malheureusement, elle est juste pas OS. Mais bien joué à toi. Donc voilà, je vais pas vous proposer de me renvoyer des clips parce que on verra si Advanced Warfare Farplay ou non. Donc si ça plaît, je ferai des clips, j'essaie d'adapter les thèmes et tout ça en fonction du jeu. Et peut-être un spécial première semaine ou je sais pas, on verra bien. Enfin bref, sur ce, j'espère que ce clip, ce top 10, pardon, que beaucoup m'avez demandé, j'espère qu'il vous aura plu. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Allez, plein de bonnes choses. Ciao!